Bonjour à tous, donc nous sommes le fabricant de l'encre Spad. Je pense que tout le monde connaît à l'heure actuelle cette encre là. Donc c'est une encre édite technique, donc ça fait depuis 1998 qu'on est fabricant de cette encre là. C'est une encre qui est certifiée par le Bureau Veritas, donc en termes de classification on a la plus forte classification, donc qui est la classification VHHP, donc qui est en termes de résistance et de qualité la plus importante. On peut voir qu'avec cette encre-là, on a fait beaucoup de tests, donc que ce soit dans toute la presse française, mais aussi à l'international. Donc nos encres se déclinent en trois matériaux. Donc nous avons la gamme acier galvanisé qui est la plus courante, la gamme inox et la gamme alu. La gamme alu, c'est un petit peu plus pour les mouillages secondaires ou pour les bateaux de course. Ensuite, donc, c'est une encre qui est dite concave, puisqu'elle utilise la matière ponce enfoncée. Vous avez 50% du poids total de l'encre dans sa pointe. Elles sont tout simplement lestées avec du plomb, comme on peut le voir ici. Pourquoi vous avez du plomb dans sa pointe? Tout simplement pour avoir un centre de gravité qui est plus bas et pour qu'elle s'enfonce très rapidement. La SPAD est donnée pour une distance d'enfouissement d'environ 1 mètre. Donc sur tous nos modèles, donc sur, que ce soit l'acier, l'inox ou l'alu, vous avez la verge qui est creuse à partir du modèle 15 kg. Donc pourquoi c'est creux? Tout simplement pour libérer du poids en hauteur, donc avoir un centre de gravité qui est très bas, toujours dans la pointe. Donc là, on voit très bien sur la coupe que la verge est creuse. Et donc en fait, d'avoir toujours un corps creux, c'est plus résistant à la torsion. Donc ce qui fait que l'encre va être beaucoup plus résistante lorsque le bateau va venir à l'évitage. Donc en plus d'être fabricant SPAD, nous sommes le distributeur exclusif pour la France des produits Sweetech. Donc qu'est-ce que c'est Sweetech? C'est plein de petits produits en fait, ou des gros comme celui-ci, qui sont innovants et qui facilitent la vie à bord. Tous les petits tracas qu'on peut rencontrer, Sweetech ont trouvé plein de produits astucieux. Donc là aujourd'hui, nous avons ici en présentation la bouée d'orin Sweetech. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une bouée avec 20 mètres de sangle qui sont enroulés à l'intérieur. Donc on vient ici mettre le bout de la sangle frappé sur le trou d'orin de l'encre. Donc elle permet de voir où est-ce qu'est positionnée l'encre et de la débloquer en cas de besoin. Vous avez 20 mètres de sangle donc enroulé à l'intérieur. Vous pouvez en plus ajouter une extension de 10 mètres. Ça voilà, c'est en option. Vous avez pas mal de petites options. La lumière qu'on voit ici, le support. Voilà, ça, chacun après fait comme il veut en fonction de l'équipement de son bateau et de la place à bord. Donc vous avez ici le safety lock. C'est fait pour prendre tout ce qui est poteau et bollard d'amarrage. Donc on vient mettre tout simplement ici le câble en inox autour du poteau par exemple, et simplement en tirant, donc ici il est en position en tension, et simplement en tirant ici sur le petit bout rouge, clac, vous les verrouillez et vous êtes paré pour repartir. Donc vous avez celui-ci. Ensuite on a la griffe de chaîne que tout le monde connaît, ou la main de fer, donc qui est faite pour soulager le guindeau lorsqu'on est au mouillage. Donc ça permet d'éviter le bruit et l'usure du guindeau. Vous avez ici l'ascenseur de mât, donc vous avez deux modèles, le 12 et le 25 mètres. Ça permet de travailler seul au mât, donc en hissant l'ascenseur en tête de mât, vous pouvez l'utiliser seul comme ceci, simplement en l'actionnant avec la corde sans fin. Vous avez en plus voilà, quelques petits accessoires en plus, la chaise de mât, des galets de guidage, etc., la housse, qui sont en option. Vous avez ici la trappe pendie, donc c'est très utile dans tous les ports de Méditerranée. Donc c'est pour prendre les pendies à quai, on laisse glisser au fond du port, on revient à l'avant du bateau et en fait la pendie, on voit qu'elle roule ici sur les rouleaux. L'avantage c'est qu'on ne se salit pas les mains, on ne se coupe pas, etc. Donc voilà, petit accessoire. Vous avez ensuite ici la trappe bouée, donc c'est pour prendre tout ce qui est coffre d'amarrage mais aussi les taquets de ponton. Donc on vient le prendre tout simplement comme un gros mousqueton. Voilà, et en fait simplement en tirant sur la petite corde rouge, vous ouvrez le clapet et vous faites basculer le crochet. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'anneau de la bouée, vous pouvez le déverrouiller à distance simplement en tirant, il tombe tout seul. L'avantage des produits Sweetech, c'est que vous avez une seule et même gaffe à bord, donc la gaffe Sweetech, celle-ci, et tous les accessoires sont interchangeables. Donc on n'a pas besoin d'avoir 50 gaffes à bord pour la navigation.